qui va nous rejoindre. Il avait décidé de faire une petite pause des médias. Il avait dit, bon, j'ai besoin de respirer, je viens plus sur les plateaux de télé. Et ce soir, il est de retour sur le plateau. Merci, Vianney, d'être avec nous. Ce qu'on entend, c'est ce tube que vous allez interpréter tout à l'heure pour la première fois ensemble, qui s'intitule « La même ». D'abord, Maître Gims, qu'est-ce que vous aimez chez Vianney? Le même karma, on dit. Ouais. Ce que j'aime, je pense qu'on a le même karma déjà. Et ce que j'aime, c'est que justement, on se ressemble à première vue, comme ça, on ne se ressemble pas du tout. Alors que moi, j'ai trouvé des similitudes dans sa musique. Je lui ai toujours dit que Vianney, t'as un côté un peu afro, t'as un côté un peu urbain. Les gens t'écoutent dans la rue, etc. Mais quand tu regardes comme ça, tu ne peux pas savoir. Et moi, j'ai senti cette chose-là. Et moi, je suis tombé sous le charme déjà de ses mélodies, de toutes ces choses-là. Et je trouvais ça intéressant de l'avoir dans l'album. Mélodiste, urbain, afro. C'est bien, content. Je suis content, mais chez Mugi, ce que j'adorais, c'est aussi le... Il vient vraiment de l'urbain, quoi, ouais. Du rap, mais il y a quand même un côté très chanson française qui est totalement là. Même sur l'album, il y a des sons, il y a un son qui me fait penser à Aznavour, il y a des trucs improbables. Et c'est parce que finalement, il n'a pas trop de frontières musicales, Gims. Voilà. Pas de frontières. Pas de frontières, jamais. Il ne faut pas se mettre de frontières. Il y a aussi autre chose qui vous rejoint, qui vous rassemble, c'est la spiritualité. D'abord vos noms. Quand on s'appelle Gandhi, on a une forme d'héritage. Vous, Vianney, ouais, ce vrai. Mot vient effectivement d'un curé, le curé d'Ars. Ouais. Effectivement, cette spiritualité, elle vous rassemble. Je voudrais qu'on revienne à l'instant archive de 20h30. On a fait un choix. Il y a 50 ans, aux États-Unis, eh bien, Martin Luther King mourait, 1963. Retournons un petit peu en arrière. Il a fait ce jour-là un discours incroyable à Washington, discours... Historique, mais peut-être encore d'actualité. Regardez. I have a dream today that one day on the Red Hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream. Ce discours-là, il a résonné jusque Kinshasa, quand vous étiez jeune. Partout. Partout. Partout, ce discours. Il n'y a pas une oreille, je pense, qui n'ait entendu ce discours. Le racisme, vous l'avez connu, vécu? Je l'ai connu, mais honnêtement, il ne m'a pas traumatisé. Et je l'ai connu très jeune, déjà. J'en ai parlé un petit peu dans le livre que j'ai pu faire. Bien sûr, il y a des... C'est une race pour moi, comme j'ai déjà dit. Des racistes, c'est une race à part. Il y en a partout. C'est un message qui résonne en vous, j'imagine, via les discours de Martin Luther King, ce racisme toujours latent. Ouais, ouais. Après, moi, j'ai tellement pas de conscience blanche, évidemment, quoi. C'est-à-dire, quand je vais faire de la musique avec Mugi, je cette pas de la musique que certains envisagent, qui est une forme de suprémacisme, ça ne vous effleure pas, et c'est même incompréhensible. Bah, c'est un logiciel qui n'est... Bah, c'est incompréhensible, mais c'est évidemment, c'est encore une réalité. Aux États-Unis aussi, après, forcément. Après, franchement, Dieu merci, mais c'est l'éducation, hein, c'est ça, quoi. Quand moi, je vais voir Gims, quand on fait le son au Maroc, je me dis pas, je vais chez un noir qui habite chez les Arabes, quoi. Je m'en fous, franchement, je m'en fous. Votre album, il est sorti le jour de la mort du gendarme Beltram. Ouais, Arnaud Beltram. De cet écho à l'actualité. Ouais. Ouais. Un jour que je ne pourrai jamais oublier, car c'était un grand jour pour moi, c'était la sortie de cet album, et en même temps un jour terrible pour la France et la famille de ce gendarme. L'émotion a été une nouvelle fois très forte, ces discours qui résonnent, on a toujours envie que ça s'arrête, quoi. Et ça résonne encore, Vianney. Ouais. Bah, moi, sur mes concerts, il y a une chanson où j'évoque les attentats qu'on a connus, il y a une chanson qui évoque ça. Et à chaque fois, on prend un moment pour penser aux gens qui sont tombés là-bas. Et franchement, en 2 ans, à chaque fois, j'ai rajouté des noms de villes, quoi. Des noms de personnes, de héros, comme Arnaud Beltram. Ça peut amener au désespoir, il ne faut surtout pas. Il faut continuer d'y croire, voilà. Tous les deux, vous parlez spiritualité, et surtout, vous nous faites envie, vous nous donnez envie de vivre. La fête avec vous dans ces concerts, vous rencontrez les Français. Ils sont comment, les Français, quand vous allez les voir en concert? Ils n'ont qu'une envie, c'est... Plutôt d'être heureux, plutôt de danser, plutôt de vivre ces moments-là. Totalement. En concert, tu rencontres des gens, tu vois, le premier rang à la fosse, les gens sont déchaînés. Ouais, ils se déchaînent vraiment. C'est incroyable. Alors, comment il est né, ce titre, qu'on va écouter dans, allez, 45 secondes. Comment il est né, ce titre? Ce titre, il est né du... Je suis venu vers Vianney, j'avais cette idée, j'avais pas la chanson. Je suis allé à sa rencontre, il m'a écouté, on a partagé vraiment un moment très humain. C'était pas un coup de mail ou de... texto.
Je suis venu à la maison chez lui, il est venu ensuite au Maroc, on a concrétisé le son. Ça s'est fait naturellement, il a dégainé sa guitare. C'était un truc de dingue, mais vraiment comme ça. Ouais, ça s'est fait très vite. Ça s'est fait comme ça. On avait trouvé un petit, j'avais un petit machin de guitare, on est parti. Finalement, qui a disparu, on l'a jarté du son. Ouais, mais ouais, c'était ouais. La base, quoi. Ouais, c'est la base. C'est la base. Ouais. Une et aventure après... qui en demande d'autres, qui en appelle d'autres. Bon, en tout cas, carrément. Et puis c'est pour ça que je suis là. Hein. Il y a un truc. Moi, ce titre, j'ai adoré le faire, mais j'aurais pu le laisser vivre. Voilà. Moi, je suis content d'accompagner Muggy et tout. Là, je sors trois concerts, je suis déchiré et tout. Mais je suis content parce que c'est une belle histoire, c'est une belle rencontre. On va vous écouter tous les deux. Vous allez rejoindre justement le petit espace là-bas pour vous écouter pour ce titre extrait de ce dernier album de Maître Gims. On a le plaisir, en live, dans 20h30, d'écouter pour la première fois à la télévision cet extrait qu'ils vont interpréter tous les deux. On les écoute, d'un côté Maître Gims, de l'autre Vianney. C'est dans 20h30 et c'est en direct. Mes amis entendaient la vie que j'ai eue. Où les gens m'attendaient, je ne suis pas venu. Si je les emmêle, si je dérange, c'est que je suis un pêle-mêle, un mélange. Je suis trop compliqué, je ne choisirai jamais que les deux côtés. Ne me demandez pas où je veux aller. Même les singes, singes, les sages, et tous ces sages ont fait des cases où tous nous rendent. On y range les gens qu'au fond jamais, jamais on ne comprend. Quand l'homme est fait de mille bois, ces boîtes que l'on prend ne sont jamais assez grandes. J'ai suivi mille chemins et serré 10 000 mains. On peut aimer Brel et Muggy, aimer même nos ennemis. Je suis trop compliqué, ne choisirai jamais que les deux côtés. Ne me demandez pas où je veux aller. Même les singes, singes, les sages et tous ces sages ont fait des cases où tous nous rangent. Hey, aïe, 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 aïe. Si je vous gêne, bah c'est la même. Si je vous gêne, bah c'est la même. Et entrez dans ma vie, oh ma liberté chérie. La vie c'est des envies, l'envie avant les avis. Et entrez dans ma vie, oh ma liberté chérie. La vie c'est des envies, l'envie avant les avis. Si je vous gêne, bah c'est la même. Si je vous gêne, Maître Gims et Vianney. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. 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 À bientôt. On va passer au cinéma dans quelques minutes avec Papy Fé de la Résistance. Mais d'abord, Ceinture Noire, l'album, la tournée, le Stade de France. Ouais. Et Vianney, on va vous retrouver sur scène très vite. Ouais. À Bercy. À Bercy. Si vous voulez jouer avec Maître Gims, il faut porter absolument maintenant. C'est à vous de les porter, Laurent. Et ouais, c'est ouais, ce qu'on ouais, appelle ce fait. Ouais, bah écoutez, allez. Je vous laisse. Top. On se retrouve sur France 2, très rapidement. Et puis, vous pouvez continuer un petit peu. Je vais faire un selfie, là. Attendez, allez, on y va. Ah bah oui, il faut faire un selfie, là. Viens, vous venez. Hop. Je vous laisse. On se quitte en musique. Et vous restez sur France 2. Bye bye.
Bravo, merci beaucoup. Merci. Bonne soirée sur France 2. Tout de suite, Papy fait la résistance.